Tonight, strong winds and unstoppable flames. A mass evacuation this morning along Australia's southeastern coast. For those deadly wildfires that are sweeping through Australia. It's unprecedented. We are truly seeing an unprecedented fire season in Australia. 13 million acres burned. The air is filled with smoke and ash. There's a very clear connection between global warming and wildfires. Wildfires. Donc voilà une maison qui a été complètement ravagée. Alors ici, un poteau électrique qui est tombé. On voit qu'il a été coupé au milieu à cause du feu. Et là, toute la maison, elle a quasiment fondu en fait. C'est super impressionnant de voir comment tout a été explosé à cause du feu. La puissance, la chaleur et les vents. Vraiment une catastrophe. Je suis actuellement à Balmoral, à environ 1h30 de Sydney. Et Balmoral, c'est une petite ville qui a été entièrement encerclée par les feux il y a de cela même pas un mois. La ville a été en partie détruite. Il y a des habitations qui ont été complètement brûlées. Et l'ensemble de la forêt qui est autour de Balmoral est calcinée, comme vous pouvez le voir en ce moment. Ah, si je touche un tronc... Voilà. Tout est carbonisé. En ce moment, l'Australie subit la pire saison des feux de l'histoire, en tout cas de l'histoire dont on a des traces. Et au moment où je vous parle, plus de 65 000 km² de forêt ont été brûlés. Et il y a également énormément de cendres qui ont été envoyées dans l'atmosphère, certaines étant arrivées jusqu'à des glaciers en Nouvelle-Zélande. Beaucoup de villes ont été complètement enfumées, ce qui pose des énormes problèmes de santé publique, en particulier pour les personnes qui sont vulnérables. It's been labeled the worst fire season ever recorded. An apocalypse, a nightmare, and like looking into the gates of hell. En marchant dans la forêt de Balmoral, par exemple, je suis tombé sur un walibi qui est donc mort dans les incendies. Les cendres qui étaient brûlantes lui ont vraiment littéralement carbonisé les pattes. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en janvier, et ici, l'été ne fait hélas que commencer, parce qu'en général, les feux durent jusqu'en mars. Donc on peut s'attendre à ce que la situation s'empire encore. Je suis passé en Australie au début de l'année 2020 pour un projet et la violence de l'événement m'a vraiment impressionné. Toutes les villes du sud-est étaient en fumée après que plus de 180 000 km² de végétation aient été calcinées. Une surface équivalente à celle d'un pays grande comme la Syrie, partie en cendres. Certains endroits où j'avais fait une rando quelques jours auparavant n'existaient juste plus, et les conséquences étaient tellement catastrophiques qu'elles étaient même dures à saisir intuitivement. Des victimes animales qui se comptent en milliards, des villes et des villages fondus, le Black Summer australien a réellement été un événement historique. Et d'ailleurs, le reste de l'année a été exceptionnel à ce niveau-là, partout sur la planète. En Californie, près de 10 000 feux ont créé la plus importante saison d'incendie jamais enregistrée, et l'incendie August Complex, qui a brûlé d'août à novembre, est devenu le plus grand brasier de l'histoire de cet état. The August Complex fire has become the largest fire in state history. La même année, en Sibérie, les forêts et la toundra enflammée ont libéré une quantité de dioxyde de carbone qu'on n'avait jamais observée auparavant. Et dans la région brésilienne du Pantanal, la saison des feux a été la pire depuis près de 50 ans. Avec ces catastrophes sont arrivées tout un tas de questions sur l'origine du phénomène et des discussions sur le rôle du changement climatique, de notre rapport à la nature et ainsi de suite. Et ces réflexions se poursuivent évidemment aujourd'hui avec l'été qu'on vient de passer. The fires are more intense this year due to high temperatures and a prolonged drought. As we've seen for years, big fires can lead to big problems. Et au milieu de tout ça, la question évidemment la plus importante est comment faire pour éviter que de tels incendies ne se reproduisent. Aux États-Unis, cette problématique était extrêmement importante il y a déjà un siècle parce qu'une série de très gros feux avait marqué l'opinion publique. Dans le Wisconsin, l'incendie de Peshtigo avait tué près de 1500 personnes et les témoignages sont encore aujourd'hui très impressionnants. La chaleur des flammes était telle que l'incendie générait son propre régime de vent, créant de fait une tempête de feu capable de franchir des rivières et de générer des tornades enflammées. Il n'y a aucune exagération dans ces témoignages puisque on sait aujourd'hui que ces phénomènes existent. Fires so powerful, they stir up fire twisters of their own. A bushfire jumped over the river, igniting a new blaze that triggered a warning to seek shelter or get out. En fait, si le feu est suffisamment intense, l'air chaud qui fait monter l'humidité en altitude peut même créer des pyrocumulus. Ces nuages peuvent alors produire des éclairs qui vont lancer de nouveaux incendies en frappant les arbres. Ouais, la nature c'est métal.
Les politiques en matière de gestion des feux vont particulièrement changer après ce qu'ils appellent le Big Burn, grand incendie de 1910, qui reste encore aujourd'hui le plus important de l'histoire des États-Unis. Big Burn destroys an area the size of Connecticut in 36 hours. We've never had anything close to it. Le traumatisme est tel qu'on passe alors dans une logique de zéro feu extrêmement stricte. It only takes a minute to wipe out a century. A flash and nothing. And even the birds won't come anymore. Le Service national des forêts met le paquet pour faire de la sensibilisation auprès du grand public. Il érige des milliers de tours de guet anti-feu, il déploie sur le terrain des parachutistes pompiers, et c'est efficace. En 30 ans, la surface des forêts brûlées aux US est divisée par 10, ce qui peut sembler une excellente nouvelle, mais il crée en fait une bombe à retardement. Deux problèmes. Premièrement, le bois qui ne brûlait plus s'accumulait sur le sol forestier et constituait alors un combustible supplémentaire pour les prochains feux. Pire, ces troncs et branches permettent à des feux de taille normale de prendre de l'ampleur et d'atteindre la canopée, ce qui s'appelle du ladder fuel en anglais et dont j'ai pas trouvé de traduction en français. Combustible en échelle peut-être. Bref, ça fait monter les flammes plus haut et une fois que la canopée brûle, la température peut exploser. Et là, on passe à une toute autre catégorie d'incendie. People don't really understand it until you actually see it coming at you in a wall of flame. Everything is so dry here, and it's been drying out for, you know, 2 years. So it's very volatile. And of course, we have the eucalyptus, which is in the air. It's volatile too. So it just explodes. It's very, very terrifying. Le deuxième gros souci de cette politique, c'est qu'elle a failli faire disparaître les séquoias géants. Ces arbres ont besoin de la chaleur des feux pour faire sortir les graines de leurs cônes, et leurs plantules ont besoin d'ouvertures lumineuses dans le couvert forestier pour grandir, en particulier face à d'autres espèces qui supportent beaucoup mieux l'ombre. Donc les feux et leurs conséquences sont essentiels à leur cycle de vie, et la stratégie de suppression des incendies, qui était pratiquée depuis des décennies aux US, mettait sérieusement en danger des espèces qui, comme le séquoia, dépendent des feux. Et il y en a beaucoup. D'un point de vue évolutif, c'est assez logique. Ces espèces misent sur le feu pour que leurs graines poussent dans un écosystème calciné avec un minimum de compétition. Les cendres ont des nutriments disponibles qui aident à la croissance des pousses et cette stratégie est tellement performante que plusieurs espèces synthétisent des substances inflammables qui augmentent les chances que tout crame. L'exemple parfait est celui des eucalyptus. Le tapis de feuilles sèches au sol et les huiles inflammables de l'arbre transforment chaque feu en fournaise. Ces espèces ont aussi des adaptations qui leur permettent de résister aux incendies, comme un tronc résistant, des réserves souterraines pour recréer des feuilles après la catastrophe, une capacité à faire des rejets rapidement, etc., etc. Chez les animaux aussi, on retrouve des adaptations liées au feu, et certains rapaces, comme le milan noir, transportent même délibérément des branches enflammées pour propager plus vite les feux. Pour eux, les rongeurs qui fuient les flammes sont des proies faciles, et un bon feu de broussailles est une forme de banquet à volonté. Bref, certains écosystèmes qui brûlent fréquemment, comme les forêts sèches australiennes, le fynbos sud-africain ou des forêts de Californie, ont coévolué avec les feux périodiques et en supprimant cette perturbation, on met ces espèces en danger. L'histoire du parc de Yellowstone l'illustre bien. Après plus d'un siècle de suppression des feux, les autorités laissent les incendies d'origine naturelle se propager et en juin 1988, une sécheresse intense et plusieurs éclairs frappent le parc. Ceci déclenche des feux qui brûlent le tiers de la surface du parc, l'équivalent d'un département français, quand même. The president to declare Yellowstone National Park a national disaster area. Plusieurs mois et 25 000 pompiers plus tard, le feu s'éteint enfin. Ce qui semblait une catastrophe se révèle plutôt différent sur le terrain. Peu d'animaux morts, de nombreuses fleurs qui émergent des cendres en quelques jours, et des trembles qui profitent de l'événement pour coloniser des zones ouvertes. Un beau cas d'étude pour l'écologie du feu avec une très jolie conclusion. Finalement, la nature nous montre la voie. Il faut juste apprendre à vivre avec les perturbations, plutôt qu'essayer de les contrôler. Et ça semble une leçon plutôt utile, puisqu'on entend de plus en plus parler de méga-feux, comme celui qui a incinéré l'Australie. Mais les choses sont encore plus contre-intuitives que ça. En étudiant les anneaux de croissance d'arbres centenaires marqués par les incendies et les dépôts de charbon dans les couches sédimentaires récentes, des archéologues ont pu retracer la fréquence et l'étendue des feux sur plusieurs centaines d'années. Et les données sont très claires. Avant la colonisation du continent, les feux étaient largement, largement plus importants et fréquents. En fait, si 2020 a été une année exceptionnelle pour l'histoire récente de la Californie, elle n'approchait qu'à peine la moyenne des feux avant la révolution industrielle. Notre apocalypse était leur normalité. Ce phénomène ne concerne pas que la Californie, et dans le monde entier, le XXe siècle a été une anomalie sans feu. Ce phénomène continue d'ailleurs aujourd'hui.
De nombreuses analyses d'images satellites montrent que la surface de végétation brûlée continue de diminuer mondialement depuis 20 ans. Très contre-intuitif. On a déjà parlé sur la chaîne d'amnésie écologique, et ça, c'en est un exemple très frappant. Comme chaque nouvelle génération oublie l'état précédent des écosystèmes, ce qu'on prend pour référence change. La conséquence est qu'aujourd'hui encore, nous avons une vision des feux très négative, en occultant leur rôle écologique dans des écosystèmes qui y sont adaptés. Et comme feu égale pas bien, on va empêcher les incendies d'arriver, ce qui va mener à une accumulation de bois mort, qui sera du combustible pour des méga-feux très violents. Trop violents. Malgré les appels de nombreux écologues du feu, on continue aujourd'hui de transformer les forêts en boîtes d'allumettes géantes et certains militent carrément pour déclencher volontairement un maximum d'incendies contrôlés, comme l'ont fait les peuples natifs pendant des siècles auparavant. For 10,000 years, Native Americans lived on this landscape and they intentionally burned it. They figured out if they burned in the spring and the fall, they could avoid the out of control fires of summer. Instead of putting all the fires out, we need to put some of them back to work. Combattre le feu par le feu, truc comme ça. Bon, déjà, tous les écosystèmes ne sont pas adaptés aux incendies, et ce que je viens de raconter est le résultat d'études qui s'intéressent principalement aux forêts de la côte ouest des États-Unis, et même si ça colle pas mal à la Méditerranée, par exemple, ça ne s'applique pas forcément aux incendies d'Amazonie, d'Indonésie ou du permafrost sibérien. Dans certains de ces pays, les feux sont principalement d'origine humaine, souvent pour défricher des forêts rapidement et créer de la place pour l'agriculture. Donc il n'y a pas une solution pour tous les feux, la situation est complexe, et c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre un petit moment pour démêler tout ça. Enfin, si j'ai le temps, avant que ça m'arrive sur la gueule. Les changements climatiques créent aujourd'hui une situation de plus en plus propice aux gigantesques incendies. Températures plus élevées, plus de sécheresse, tout ça conspire à faire des barbecues comme on n'en a jamais vu. Il y a également de plus en plus de villes et de villages implantés proches de forêts, qu'on ne peut donc pas trop laisser se consumer allègrement. Et d'autre part, on a tendance à les oublier, mais sur certains continents, il y a des peuples qui vivent dans ces forêts et qui souffrent d'incendies souvent d'origine criminelle. Mais dans le même temps, on se rend compte de l'intérêt de laisser les feux de forêt suivre leur rôle de perturbateur écologique, quitte à en déclencher quelques-uns dans des forêts éloignées des installations humaines. On se retrouve donc dans une situation compliquée, un peu en demi-teinte, à devoir gérer un monstre dangereux pour nous, mais nécessaire pour la vitalité des écosystèmes. Et ce qui est sûr, c'est que la façon habituelle de gérer tout ça n'est plus tenable. Certains auteurs ont créé le concept de pyrocène pour décrire notre influence sur les incendies à travers les époques. Nos ancêtres créaient des feux pour chasser du gibier ou ouvrir les clairières, nos arrière-grands-parents l'ont proscrit, et nous les considérons comme des cataclysmes à éviter. On est passé d'un outil à une menace, et ce qui est clair, c'est que les générations actuelles devront essayer de trouver une relation la plus vertueuse possible avec ces catastrophes plus ou moins naturelles. Et ça passe sans doute par un changement de perception sur les feux. Comme celui-là d'ailleurs, qui est complètement faux au passage. Allez, à plus !